Bonjour, il était une fois. Une fille, à l'occasion de son anniversaire, reçoit un véhicule de la part de son père. Et pas n'importe quelle voiture, une voiture très ancienne. La fille demande à son papa, « Papa, cette voiture, elle est très ancienne, qu'est-ce que je peux faire avec ?» Le papa lui dit, « Tu peux refaire cette voiture, ma fille. » La fille sort, une fois en ville, elle trouve un groupe de personnes et elle demande, « Qui voudrait acheter cette voiture ?» Et là, elle lui dit, nous, on voudrait bien acheter, mais pas plus de 100 euros, parce qu'elle est trop ancienne, cette voiture. Elle est démodée. Elle revient à la maison et dit à son papa, « Papa, les gens disent qu'il ne peut pas donner plus de 100 euros pour cette voiture. » Le papa lui dit, « Ma fille, va chercher un vendeur d'anciens véhicules. Peut-être qu'il peut acheter ta voiture. » La fille sort et va voir un vendeur d'anciens véhicules. Le gars lui dit, ouais, je voudrais bien acheter, mais pas plus de 200 euros parce qu'elle est trop ancienne, elle est démodée. La fille revient à la maison, dit à son père, le vendeur de voiture a dit qu'il ne faut pas dépasser plus de 100 euros parce que cette voiture, elle est trop ancienne. Elle dit, ma fille, va chercher un collectionneur d'objets. Ah, peut-être qu'il voudra acheter ton véhicule. La fille ressort encore. Voir un collectionneur d'objets rares. Et le gars lui dit, waouh, je peux acheter ton véhicule. Cette voiture, je l'achète à 5000 euros. Il dit, 5000 euros? Le gars lui dit, oui. La fille lui dit, attends, je reviens. Il va voir son père. Il dit, papa, il y a le collectionneur d'objets rares qui veut acheter mon véhicule. Mais à 5000 euros, le papa il rit. Il dit, ma fille, c'est comme ça là, c'est parce que tu es arrivé au bon endroit, au bon moment. Alors la leçon dans cette histoire, c'est que vous ne serez jamais estimé à votre valeur tant que vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Parfois vous pensez que les gens ne vous aiment pas. Parce que parfois vous pensez que les gens ont aucun respect pour vous. Ce n'est pas le cas, c'est juste que vous n'êtes pas au bon moment. Les gens vous traitent de change. Les gens vous minimisent. C'est parce que vous n'êtes pas au bon moment, ni au bon endroit. Fréquentez les bonnes personnes. Les personnes qui connaissent votre valeur. Les personnes qui vous aiment, qui vous estiment à vos justes valeurs. Merci, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'est votre Big Line Motivation, l'éternel guerrier Mandek, l'esprit des ancêtres. Au revoir.